Hi girl, it's Emery Konica, welcome back on my YouTube channel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Et aujourd'hui, on va venir définir le mot amour, tout simplement parce que je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que signifie le mot amour pour vous en 2022, et vous avez été énormément nombreux à me répondre, du coup, des réponses différentes. Mais je me suis dit, du coup, ça pourrait être hyper bien pour faire une vidéo YouTube pour savoir un petit peu comment vous définissez le mot amour en 2022, vous voyez. Je n'ai pas regardé les messages pour l'instant, donc je vais les découvrir avec vous, et vraiment, j'ai hyper peur de savoir ce que vous pensez du mot amour, girl. Au fait, quand je dis girl, c'est votre nouveau surnom, enfin genre en mode, avant c'était besties, même queen, genre, mais maintenant c'est girl, tout simplement parce que j'appelle tout le monde girl, genre. Girl Perry. Oh my god. What, he's dead? Donc si vous avez tout compris dans cette vidéo, on va résumer ce que c'est le mot amour grâce à vous. Et ensuite, bah écoutez, on va faire un make-up Saint-Valentin, voilà. Donc j'espère que ce make-up va vous plaire. Et si vous avez envie de voir comment je réalise ce make-up, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça me ferait grave plaisir. Et voilà, girl. Bah écoutez, bah je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, on y va, j'espère que mon intro était claire. Let's write, let's go. Let's go to the beach, eat, let's go get away. Je vais venir utiliser une technique de make-up qu'on a vue très longtemps sur les réseaux sociaux. Mais en fait, tout simplement, vous allez venir dessiner votre contouring, vous allez appliquer votre blush, et ensuite vous allez appliquer votre fond de teint et votre anti-cerne, et vous allez tout estomper avec votre beauty blender, genre. J'espère que je suis compréhensible. Oh my god, on dirait Michael Jackson, genre. I am Michael motherfucking Jackson. Le fond de teint, on va l'appliquer là, comme ça. Voilà. Oh, mais c'est tellement joli à voir. En fait, it's not okay. It's very not okay. C'est... Oh, oh my god. Mais là, on dirait vraiment Michael Jackson. Et je vais venir prendre mon petit blush de chez Rare Beauty. Wow. En même temps d'estomper tout ça, on va venir commencer à lire du coup ce que vous pensez de l'amour. Donc là, c'est mes abonnés d'Instagram qui décident ce que signifie l'amour pour eux. Oh, sis. Alors on va répondre à ta story qui parle de l'amour en 2022, un seul mot, inutile, genre vraiment, trouvez-moi autre chose utile à l'amour. À part se sentir aimé, bah dans ce cas-là, apprenez-vous à vous aimer vous-même, wesh. Il a pas tort. Donc si ce message passe dans ta vidéo, j'ai une chose à dire, ne vous faites pas chier avec l'amour, aimez-vous et devenez une baddies, rich et hot. Oh my god, ok. You crazy, but I love that. Alors l'amour pour Camille. Pour moi, l'amour de 2022, c'est un nouveau départ. Pendant ces périodes de ces trois dernières années, tout le monde a eu des mal avec l'amour parce qu'on a été en confinement et il y a eu beaucoup de séparations et de méchanceté. Et pour 2022, la première chose à faire si tu veux rencontrer l'amour, c'est de laisser ce qui ne va pas derrière toi et d'avancer avec ta force et seulement ta force. C'est ce qui va t'aider à atteindre l'objectif. Pour accueillir quelque chose de grand, il faut faire de la place. Donc voilà ma version de ce que je pense. Bisous bestie. Oh girl. La version de l'amour de Johan. Comment répondre après une relation de 4 ans et 2... Oh my god. 4 ans et demi? Girl. J'ai déménagé à 300 km de chez moi à seulement 19 ans pour au final apprendre le jour de mon emménagement que mon mec me trompait avec un gars. Deux mois après, j'apprends que ce mec est à la rue, donc je décide de l'héberger. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. T'as un baiser, toi. Oh my god. On vit ensemble, autant dire que l'amour, c'est de la merde. Pour moi, l'amitié, c'est bien mieux. Peu importe les années, tu finis toujours par te faire retourner. Period. Ok, girl. Oh, j'adore mon teint. Il est incroyable. Waouh. Ok. Putain, il est tellement lisse, j'adore mon teint. Et maintenant, on va venir poudrer tout ça. L'amour pour moi en 2022, c'est plus comme avant. Là, les couples, c'est plus des couples entre les tromperies, les mensonges, les cachotteries et tout ça. J'ai été en couple pendant 3 mois et j'ai toujours eu peur de ça. D'avoir la peur d'être trompé ou d'autres choses. Mais pour moi, ce n'est plus comme avant. J'ai l'impression que tous les couples se mettent ensemble. C'est juste pour dire qu'ils sont ensemble. Je pense pas qu'ils se mettent ensemble car ils sont amoureux. Après... I don't know.
Après, il peut avoir des coups de foudre et j'y crois, mais l'amour en 2022 c'est tellement plus comme avant et c'est dommage, sinon je t'aime fort, love you. Love you too, girl. Kellyanne m'a dit, je pense que ça devrait dans tous les cas être sincère parce que tromper les gens, on laisse ça en 2021. Alors là, je suis carrément d'accord. Tromper des gens, c'est démodé, genre. C'est tellement immature et blessant, genre. Donc là, j'ai terminé de faire mes sourcils et maintenant on va passer au make-up de la Saint-Valentin, ce fameux make-up que je pense personne n'attend. Lol, car tout le monde est parti, je pense. Pour le make-up d'aujourd'hui, je vais m'inspirer de Girls Madis car elle a fait quelque chose d'incroyable et j'ai kiffé sa vidéo, donc du coup, enfin surtout son make-up, et je me suis dit ok, faut que tu réalises ça, faut que t'essayes de faire ça en vidéo YouTube. Pour ce make-up là, je vais utiliser la palette de chez Beauty Bay, donc c'est la Bring Matte. Voilà, il y a je ne sais pas de combien de couleurs dans cette palette, mais wow, she's stunning. Elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Et vraiment là on peut faire beaucoup de choses et beaucoup de couleurs. Donc ça j'adore. En fait elle vient dessiner un cœur sur sa paupière un peu plus foncée, qu'elle vient estomper avec une couleur plus claire. Et après elle refait pareil, ok. On va essayer ça hein. En vrai un seul cœur, c'est pas plus mal, genre c'est vraiment hyper joli. J'adore, wow. Au pire girl, j'en fais un là, j'en fais un petit peu partout genre. Et ensuite je me suis dit pourquoi pas prendre un liner blanc de chez Sephora et faire le contour du cœur et faire bah du coup des étoiles comme Maddy a fait genre. Je sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée mais je vais le faire quand même, hein, one life. Ok, donc j'ai terminé mon premier œil. Comme vous avez vu, j'ai pas du tout fait pareil. Enfin, j'ai pas fait exactement. Je me suis tout simplement inspiré de Maddy, voilà. Mais du coup, on va lire une autre signification pour quelqu'un de l'amour. Ah, je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, girl. L'amour, c'est d'avancer dans la vie à deux. C'est-à-dire s'aider à avancer et aller plus haut. S'entraider, etc. Faire beaucoup de choses à deux. Ouais, mais quand t'es seul, tu peux pas faire des trucs à deux, donc ça, c'est bête. On va lui envoyer une petite picture de notre make-up. Girls, je suis en appel avec Lucas, donc c'est un ami à moi, un très bon ami à moi, et il va vous donner sa signification de l'amour en FaceTime, girl. Alors, pour moi, la définition de l'amour en 2022, elle n'existe plus. Dans le sens où on a plusieurs amours dans toute notre vie. Moi, personnellement, je me vois pas en couple toute ma vie avec une seule personne dans ma vie. Mais c'est normal, t'es gay, cher. Je me vois pas baiser la même personne toute ma vie, quoi, genre, vraiment. L'amour, c'est éphémère et c'est beau à la fois, mais c'est aussi destructeur. Mais justement, c'est ça, l'amour, c'est la passion, ensuite la destruction, et ensuite tu renouvelles ça avec quelqu'un d'autre, et ça, c'est différent. T'aimes bien mon maquillage? Moi, il y a un mec qui vient dans une heure chez moi. Moi, c'est genre un point que je prends sexuel. Oh my god, moi, j'aime pas ça. Mais si, t'aimes bien le sexuel, en réalité. Non, Lucas, j'en ai trop eu. Bon, allez, bisous, mais... Bisous. Je sais pas si je me fais des taches de rousseur. Si, on va se faire des taches de rousseur. Moi, pour mes taches de rousseur, je prends juste un fard à paupières plus foncé, genre celui-ci, avec un pinceau hyper fin. Et en fait, je viens juste faire des petits points sur mon visage. Et après, je passe mon doigt, enfin, je tapote avec mon doigt pour venir estomper les fards à paupières un peu. Et j'ai enfin terminé mon make-up. Waouh! Je suis hyper fan de ce que j'ai fait aujourd'hui. Genre, vraiment, c'est incroyable. Donc, j'ai pas vraiment fait comme Maddy. Je me suis vraiment inspiré de Maddy, mais je trouve vraiment mon make-up, genre, purr girl. Du coup, si toi t'as envie de reproduire ce make-up et le poster sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à me mentionner, par exemple, sur tes photos ou ta story pour que je puisse voir le résultat que ça donne sur toi et que je puisse commenter ta story et même te repartager dans ma story, girl. Mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce maquillage-là. Moi, personnellement, je le trouve juste incroyable, stunning. Voilà, je le trouve juste magnifique pour la Saint-Valentin. Donc, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir une petite notification quand je sortirai de nouvelles vidéos. Mais je préfère vous dire maintenant que mes vidéos sortiront le lundi à 18h et le vendredi à 18h et non le mercredi, tout simplement parce que c'est en pleine semaine et je ne veux pas déranger le travail, on va dire ça comme ça, girl. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, voilà, ça m'encourage énormément et ça me fait hyper plaisir de savoir que les gens aiment ma vidéo et aussi à m'ajouter sur Instagram, TikTok, Twitter et Snapchat que je vais mettre en barre de description. Voilà tout. En tout cas, moi je fais plein de gros bisous. Bye bye girl, I love you so much. Bye.